Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et oui, parce que je dis toujours une connerie pour le départ de l'enregistrement vidéo et du coup The Glut était en train de réagir à ça alors que j'avais déjà lancé le départ de la vidéo. Bref, ce soir nous sommes vendredi 13 mars 2020, il est déjà 23h23. J'aurais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivé, donc il est pile 23h23. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc le film que j'ai choisi pour ce soir qu'on a vu, c'est Les femmes préhistoriques dans la collection Les trésors de la Hammer avec Martine Beswick. Le titre d'origine, sous-titré en dessous, Préhistoric Woman. Alors, de quoi ça parle? Déjà, bon, on a une très belle jaquette. Les trésors de la Hammer, donc, c'est évidemment une collection, les films de la Hammer, qui sont réputés et en général de très bonne qualité. Beaucoup de films de la Hammer sont plutôt assez anciens, mais il y en a également de très récents. Je crois qu'ils sont un peu remis à faire des films, tout ça. J'avais fait des recherches il y a quelques temps, mais là, ça fait un moment. Si vous entendez des petits sons de jeux vidéo, c'est normal. The Glut est en train de jouer avec Crash Team Racing Nitro Fueled sur la PS4 à côté de moi. Donc voilà, donc c'est un film qui date un peu, mais moi je suis plutôt agréablement surpris. Mais avant, je vais vous lire le synopsis. Alors donc il y a évidemment donc le scénario, donc c'est coupé en deux, donc à chaque fois ils font le coup sur les DVD que j'ai de la mer, donc j'ai pas tous les DVD qui existent de la mer, mais j'en ai quelques-uns. Il y a le d'un côté donc sur le cadre le résumé, sur le cadre sur le côté. Et puis là, vous avez un petit résumé qui parle de la Hammer. Et ça, c'est à chaque fois présenté comme ça. Qu'est-ce qui vient? Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans le panier à linge. Bon, donc, au moins, elle fait pas de bêtises. Bon, alors, on est désolé. Alors, on va commencer par. Bon, je vais lire la présentation de la Hammer. Allez, on va lire le petit cadre en premier. La mythique Hammer Film, célèbre pour avoir remis au goût du jour les personnages mythiques que sont Dracula, Frankenstein, la momie ou le loup-garou, le studio Hammer, je ne sais pas si Hammer ou Hammer, s'est imposé comme une référence. Produisant des dizaines de films recouvrant tous les genres, la compagnie a révélé des monstres sacrés comme Christopher Lee et Peter Cushing et a enchanté des générations de spectateurs. Voici la première collection 100% Hammer, dont chaque film a été restauré d'après les meilleurs éléments disponibles. Effectivement, je confirme, franchement, pour un film qui est plus tout récent, la qualité d'image au niveau du DVD est vraiment exceptionnelle. Donc, je trouve que c'est vraiment une très très belle qualité d'image. Après, bon, nous on a vu sur la catholique, mais franchement, par rapport à d'autres DVD. Alors, c'est vrai que c'est quand même la Hammer, c'est quand même beaucoup dans le fantastique. Alors là, pour les femmes préhistoriques, ils nous disent, alors qu'il se trouve en pleine jungle, le chasseur David Marchand est kidnappé par des indigènes qui veulent le sacrifier à leur divinité. Après avoir pu s'enfuir, il découvre un territoire inexploré dirigé par une caste de femmes brunes qui ont réduit les hommes en esclavage. À leur tête, la reine Kari, sombre et sensuelle, décide de garder Marchand pour son plaisir personnel. Réalisé par Michael Carrera, qui a également fait Le Peuple des Abîmes. Les femmes préhistoriques est un spectacle savoureux associant aventure et érotisme dans le rôle de la dominatrice suprême, la superbe Martine Beswick, Dr. Jekyll et Sister Hyde, fait l'objet d'un véritable culte. Alors dans ce DVD, donc le film en version française et en version originale, les sous-titres français, les chapitres, la bande-annonce VOSTFR. Nous on a vu le film en VF et c'est très très bien passé. Alors, pour résumer un petit peu le film, donc on a donc un chasseur qui accompagnait avec un guide et Neige, arrête tes bêtises, et un colonel, et donc ils sont sur une partie de chasse, a priori en pleine jungle. Ils sont après un léopard, le léopard est blessé, mais en fait ça se passe pas super bien tout ça, et du coup donc le chasseur, donc les autres repartent dans leur coin, et le chasseur décide de partir seul avec le guide et quelques personnes pour récupérer le léopard. Le problème c'est qu'ils arrivent sur le territoire donc d'une tribu indigène il vaut mieux pas aller sur ce territoire-là, donc il y a des croyances, tout ça, et du coup le guide et les autres ne veulent pas y aller. Du coup, il s'y aventure seul, il se fait attraper, les indigènes qui l'ont attrapé donc font une sorte de rituel avec une danse, et puis du coup il se met à pleuvoir, et puis tout ça porte un rapport avec un certain rhinocéros blanc, vous pourrez dire albinos, pourquoi pas.
Sauf que c'est un rhinocéros qui est pas vivant, je crois, donc qui est plutôt une sorte de statue ou je sais pas trop quoi. Et au cours de ce rituel, eh bien, Yes. le temps semble comme figé. Donc les indigènes sont autour de lui ne bougent plus. Et il y a des portes d'une salle qui s'ouvre et du coup il va par là-bas. Et quelques instants plus tard, il se retrouve transporté dans le passé, Transporé. transporté dans le passé à une époque qui pourrait ressembler à la préhistoire. Évidemment, il y a des incohérences avec ce que l'on pourrait penser savoir de la préhistoire. Donc ça, je vais y revenir après. Neige, t'es embêtante là ce soir. Et du coup, il se fait assez vite attraper par des femmes préhistoriques. Et la chef des femmes préhistoriques, donc qui est une femme brune, veut le garder rien que pour elle. Neige, t'es casse-pied. Ah, je reviens un instant. Me revoilà. Donc voilà, je disais, la femme brune donc veut qui est la chef du groupe, du clan, on peut dire, enfin je sais pas trop comment on peut dire ça, La veut tribu. de quoi? La tribu, ouais, le garder rien que pour elle. Et cette tribu a un fonctionnement assez particulier. Donc on voit donc deux catégories de femmes. Donc les femmes brunes qui sont, on va dire, celles qui commandent, et les femmes blondes qui sont considérées comme les esclaves par les femmes brunes. Et puis les hommes, donc dans la première partie du film, on les voit pas, on ne sait pas trop ce qui s'est passé au niveau des hommes. Et puis aussi les questions de démons dont on parle pas mal. Il se trouve que donc ce chasseur, donc qui s'appelle David, il s'éprend donc d'une jeune femme blonde qui fait partie donc du clan de la tribu des esclaves. Et du coup, son objectif à lui, ça va être de l'aider dans sa rébellion, et puisqu'elle cherche la liberté à ne plus être sous le joug des femmes brunes. Après, la situation s'avère en fait un peu plus compliquée que ça. Donc c'est vrai, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais bon, c'est pas évident. Sachant que tout n'a, voilà, des rebondissements, je sais pas comment raconter sans spoiler. Donc voilà, ça, à l'origine, tout ça n'était pas tout à fait comme ça. Et il y a le problème également des démons qui réclament des femmes en mariage, et du coup les brunes proposent aux démons donc des femmes blondes. Donc voilà. Et les démons ne sont pas réellement des démons comme on pourrait penser au sens propre du terme, c'est plutôt Une tribu une des tribu esclaves. rivale qui se font appeler les surnommés les démons. Et une légende raconte que le jour où, parce que pas Dinosaure. les dinosaures, les rhinocéros se sont éteints, sauf le faux rhinocéros, puisque là aussi, pareil, dans Oui. le passé, il y avait un faux rhinocéros, un faux idole. Le jour où un vrai rhinocéros reviendra, à ce moment-là, donc une prophétie annonce qu'ils seront libérés, tout ça, et tout ira mieux, et il n'y aura plus de problème de démons, tout ça. Mais après, tout ça s'expliquait dans le film, et je vais éviter de spoiler. Évidemment, après, il y a une vraie fin, donc c'est vraiment une sorte de voyage dans le temps qui est pratique. Après, donc là, il y a quand même des incohérences par rapport à ce qu'on pense savoir de la préhistoire, notamment au niveau de la tenue vestimentaire, tout ça. Donc évidemment, ça ressemble à des Ah, c'est peaux. pas préhistoire. Ça ressemble un petit peu à des peaux d'animal, tout ça, mais il y a des choses qui clochent. Il y a le fait également que la femme chef, donc la brune, elle a une coupe pour boire. Ils ont Ouais, l'air. mais ils ont une forge, les Oui, ben, chefs, j'y non? allais à venir. Ils ont une forge, ils ont l'air de connaître le travail du fer, tout ça. Donc c'est une chose qui vient beaucoup plus tard, à l'époque des barbares, tout ça. Par exemple, à l'époque de Conan le barbare, il l'acier, tout ça. Donc du coup, ça, c'est un petit peu des incohérences. Il y a aussi une autre incohérence que j'ai constatée, c'est que toute l'action du film, tout ça, semble se passer dans la jungle africaine. Sauf qu'il y a un problème. Donc léopard, ok, je crois que ça va, il me semble. Il me semble dans le début du film, tout début du film, on aperçoit des différents animaux, zèbres, girafes, éléphants, lions, tout ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, donc là, on pourrait dire ainsi les appartements, mais non, c'est dans le côté de la tanière de la brune, de la chef. Ce qui fait office de lit, c'est une
poil de couchette, c'est une peau de tigre. Sauf que les tigres, c'est en Asie, c'est pas en Afrique. À moins que je me trompe, mais il me semble que les tigres sont beaucoup plus au niveau de l'Asie, alors que l'Afrique, c'est plutôt des lions. Donc, il n'aurait pas pu y avoir une peau de tigre. Donc, ça c'est aussi une autre incohérence. Enfin, à moins que je me trompe, évidemment. Voilà, donc il y a des incohérences temporelles. Donc, après, et en même temps, c'est une sorte de voyage dans le temps, mais est-ce que c'est un. C'est assez compliqué, donc, et puis c'est amené par un rituel, tout ça, donc c'est assez particulier. Donc, après, bon, ça c'est évidemment du pinaillage. Sinon, grosso modo, donc, de ce que j'ai pensé du film, donc la musique, la VF. Moi, j'aimais bien quand la tribu chantait. Ah Elle oui, aime bien les musiques, les les danses et les mecs. chants. Ah, les mecs? Ouais, j'aimais bien la musique, la chanson Ah, dans le film. au début là. Ouais. Oui, au début, lorsque la tribu capture le chasseur, tout ça, et qui après, avant qu'il fasse ce rituel, il se mettait à chanter, tout ça. Je vous ai bien aimé. Moi, j'ai plus aimé quand c'était les femmes blondes qui. Parce que les brunes demandaient aux femmes blondes de chanter, danser, et moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Bon. Bah, c'est une question de goût, après, c'est pas forcément. Donc voilà, donc. Après, donc, l'AVF, les musiques, les chants, les danses. Voilà, j'ai globalement très bien aimé, hein, beaucoup aimé, on va dire plutôt, parce que très bien aimé, ça se dit pas trop. Voilà, donc c'est un film qui date un petit peu, donc voyez voir sur Beaucoup Wikipédia. même. C'est un film sorti en 1967, donc ça date un petit peu, mais je trouve franchement qu'il 1967. a, il a pas tant vieilli que ça, il a plutôt bien vieilli et la qualité est plutôt bonne. Le scénario me semble un petit peu confus par moments sur au niveau de certains petits détails, mais sinon ça passe vraiment bien. Ça se regarde assez facilement. Donc après on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, vous et moi, mais moi je te parle mon avis à moi. Moi j'ai trouvé que ça se regardait assez facilement. Je suis vraiment très très content de. Oui, Oui, quoi? ça se regarde. Parce que Zouglut est pas trop fan quand les films commencent à être datés un petit peu, commencent à être un peu vieux, donc elle c'est pas trop son Ça truc. dépend lesquels, Mais voilà. voilà, moi de mon avis personnel, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé que le film a pas vraiment tant vieilli que ça. Ça passe très très bien, donc j'ai passé un très très bon moment, une bonne soirée dessus. Je vous montre donc l'autre partie de la jaquette. Et c'est un film que je pourrais voir à l'occasion parce que moi vraiment je comprends que ce film-là fait partie des Trésors de la mer. Pour moi, ça fait partie des films cultes et je suis vraiment très content de l'avoir trouvé, donc d'avoir acheté. Donc je l'avais acheté à Noz. À un moment donné, c'est plus, je crois que c'était il y a 2 ans, il y a une période où pendant plusieurs mois il y a eu beaucoup de films de la mer qui sont apparus à Noz. On en a acheté 2 ou 3, mais bon, on avait aussi un budget limité, donc j'ai choisi ceux qui m'inspiraient le plus. Mais il y a d'autres films que de la mer que je n'ai pas acheté et qui, ça se trouve, étaient géniaux. Mais voilà, je suis peut-être passé à côté de pair. Voilà, mais ça, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié et je suis très content d'avoir. Après, voilà, j'en sais pas. Niveau des acteurs, tout ça, donc ces acteurs d'époque, donc je connais pas trop ce qu'ils ont fait au niveau des filmographies, tout ça. Mais voilà, ça c'est vraiment, pour moi, je peux vraiment appeler ce film-là un de mes coups de cœur. Après, moi, ça m'a fait trop penser à un épisode de Star Trek. Bah, on est pas loin parce que Star Trek, la série originale qu'on a vue avec Zouglut, c'est la première série Star Trek, Ça aurait pu être un. C'était en 1966 et ce film-là est de 1967, donc c'est sorti un an après la série Star Ouais, Trek. voilà, mais Donc on est ça. dans une époque au niveau de la technologie du cinéma et des décors. Donc on est dans une époque assez similaire. Donc c'est vrai que certains décors du film font penser à des décors d'épisodes de Star Trek. Ouais, mais non, mais même l'histoire en elle-même. Oh, ben en même temps, c'est une période, c'est la période des années 60, et je pense que, voilà, donc nous, on est plus habitués aux films des années 80, 90, 2000, tout ça, mais je pense que, voilà, il y a eu une période dans les années 60 où un certain type de film a eu un succès, et donc ils sont surfés sur une mode. Donc voilà, moi, ça me semble tout à fait logique, et ça ne me choque pas plus que ça. En tout cas, ben, pour moi, ça fait partie de mes coups de cœur, et je suis très très content de ce film-là. Alors maintenant, on va regarder sur Wikipédia. Les femmes préhistoriques, titre original Slave Girl ou Prehistoric Woman. Donc ici, moi, ils mettent un sous-titre sur le DVD Prehistoric Woman. C'est un film britannique réalisé par Michael Carrera, sorti en 1967. Je bug ce soir. Alors, ils nous disent,
Le tournage, un des films les plus bizarres jamais produits par la Hammer, qui a recyclé les décors de 1 million d'années avant Jésus-Christ. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois dans ma jeunesse à la télé, je crois sur M6, et j'avais beaucoup aimé, donc Ah ouais. j'espère le trouver un jour en DVD. Donc ça fait partie de mes films de mon enfance. Donc, qui a recyclé les décors de 1 million d'années avant Jésus-Christ, sorti en 1966, avec Raquel Welch et Martine Beswick. Donc Martine Beswick, elle a joué également dans Les Femmes Préhistoriques. D'autres films de la Hammer comptant sur l'attrait de femmes peu vêtues, de peau de bête, étaient Quand les dinosaures dominaient le monde. Ah, quand les dinosaures dominaient le monde, ça me dit quelque chose ce film-là. Il faudrait que je le trouve un jour en DVD. Je ne sais pas s'il est sorti en VF, en DVD. Je crois qu'il est sorti qu'en import et qu'en anglais. Donc il faudrait que je vérifie, mais c'était un film qui m'avait beaucoup marqué. Et les créatures The World Forgot. Le tournage s'est déroulé le 10 janvier du 10 janvier au 22 février 66. Alors au niveau du casting, donc Martine Beswick qui a joué Carrie, Edina Ronay qui a joué Saria, Michael Latimer qui a joué David, Stephanie Randall qui a joué Amiak, Carol White qui a joué Jido, Alexandra Stevenson qui a joué Loury, Robert Ragland qui a joué le colonel Hammond, et Steven Birkoff qui a joué John. Carla qui demande si elle peut entrer, donc j'avais fermé la porte tout à l'heure parce que neige faisait plein de bêtises. J'ai ouvert la porte dans quelques instants. Alors maintenant, si vous cherchez le DVD, donc nous on l'avait trouvé à Noz, donc je sais plus, je crois que ça devait être à 90 centimes, un truc comme ça. Et c'était il y a au moins 2 ans qu'on l'avait trouvé, je pense, ça devait être en 2018, si je ne me trompe pas. Alors si on va sur Amazon, donc Amazon ne le vend plus, donc c'est des vendeurs pro, des particuliers, donc il n'y a plus expédié vendu par Amazon. En général, très souvent, quand je trouve des DVD à Noz, on ne les trouve plus tout sur Amazon. Donc je ne sais pas si c'est une simple coïncidence ou pas. Alors, au moins cher, 9 sous blister sur Amazon, donc on trouve à 9,96 €, expédié vendu par Media Promo. Frais de port, c'est pas précisé s'il y a des frais de port ou pas. Si on va sur Rakuten, donc on peut trouver un petit peu moins cher, à 7,35 €, c'est marqué comme neuf, mais dans l'inscription c'est marqué sous sellos, donc a priori c'est vraiment 9 sous blister. Vendu donc par Lulu02460 avec 3,99 € de frais de port, ce qui fait un peu plus de 10 €. Voilà, donc ça c'est à peu près similaire au prix d'Amazon quoi. J'ai pas regardé sur le Bon Coin ni sur eBay, donc après faut voir. Mais c'est le genre de DVD qui partent assez vite, donc vous aurez difficile à les trouver pas cher, je pense. À moins de tomber sur un gros coup de chance comme moi quand je l'ai trouvé à Noz, mais c'est le genre de DVD que vous ne trouverez pas, je pense, ni à cash, ni en brocante, ou alors c'est vraiment sur un gros coup de bol. Donc voilà, donc je pense que 10 € sur Internet, ça reste un prix raisonnable. Après, évidemment, si les vendeurs sont sérieux, après ça reste toujours un problème quand on ne sait pas qui vend les DVD, quand c'est pas le vendeur officiel, donc c'est toujours un petit peu un souci. Voilà, bah sinon moi très très content, donc ça fait partie de mes coups de cœur, un DVD que je garderai précieusement dans la collection. C'est tout pour ce soir, on vous dit un très bon week-end et au revoir. Au revoir.